Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et quand vous voulez, professeur Consolage, Ok, à vous d'accord. la parole. Merci beaucoup et bravo pour cette initiative tout à fait originale et je pense dans l'air du temps et qui va se pérenniser de plus en plus. Donc moi je m'appelle Alain Cohen-Solal, je suis professeur à l'Université de Paris à la Riboisière. Je vais vous parler de l'intérêt, alors on dit c'est la VO2, le vrai terme c'est l'épreuve d'effort cardio-respiratoire de l'insuffisance cardiaque. C'est une technique que je connais depuis très longtemps. Pour la forme, sachez que quand j'étais chef de clinique en deuxième année de clinique en 85, je me suis intéressé pour la première fois à la technique. Je faisais déjà de l'écho et du cathé droit. Je n'aurais jamais imaginé que cette technique, qui venait de la cardio du sport et de la pneumologie, aurait un tel impact dans l'insuffisance cardiaque. Et j'en suis très heureux. Alors, on va voir c'est quoi exactement les indications et puis ce qu'on peut en tirer. Alors, la première chose que je dis souvent, c'est que l'épreuve d'effort cardio-respiratoire, c'est le test sur roue du moteur. C'est-à-dire qu'on vous donne une voiture, on vous dit qu'elle marche bien ou qu'elle ne marche pas bien, ce que vous voulez faire. Ben, c'est la prendre et puis rouler et voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des bruits dans le moteur? Est-ce que le moteur cale? Voilà. C'est un petit peu ce qu'on fait tous les jours avec les cathés, les coros, le strain, etc. On a une superbe évaluation au repos, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'effort. Et en cardiologie, l'effort, c'est quelque chose qui est très important. Alors, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des petites lunettes comme ici à gauche qui font des tests d'effort. En général, c'est plutôt comme à droite, des sujets un petit peu âgés, vous voyez, souvent déconditionnés, et qui font une épreuve d'effort standard avec en général des protocoles assez léger pour ces patients-là, des protocoles de 10 watts minute, et puis on recueille l'air expiré, soit dans un masque, soit avec un embout buccal, voilà, au cours du test. Alors, première implication, c'est que ça permet une évaluation objective de la gêne fonctionnelle. Le patient, il peut vous dire, il est essoufflé alors il va très bien, ou d'un autre côté, il ne veut pas se faire opérer, il vous dit qu'il va très bien, alors que l'épreuve d'effort est catastrophique. Donc, on peut mesurer les watts, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut mesurer ce qu'on appelle la consommation d'oxygène, parce qu'on ne peut pas estimer, comme on le pense souvent, la VO2 sur les watts. C'est vrai chez un sujet sain, vous allez voir que c'est faux chez un insuffisant cardiaque, parce que la pente n'est pas la même. Donc, c'est une évaluation vraiment objective de ce que peuvent faire les patients au maximum. Et un deuxième intérêt, c'est que vous mesurez les rejets d'O2 et de CO2, et le rapport de deux, ça vous donne le quotient respiratoire. Eh bien, c'est un truc qui a un intérêt parce que pour qu'on s'arrête pour une raison circulatoire, on a un quotient respiratoire qui est supérieur à 1,10 ou à 0,5. Donc, quand vous avez un patient qui s'arrête avec un quotient respiratoire à moins de 1, c'est soit que le test est sous-maximal, soit qu'il s'arrêtait pour une raison autre que cardio-circulatoire, obésité, pneumologie, etc. C'est très important pour savoir si votre test est valide ou non. Et tous les jours, moi, j'ai des patients qui veulent s'arrêter avant et j'arrive à les pousser un peu plus parce que j'ai le QR qui me dit que le test est sous-maximal. Et si vraiment il n'en peut plus et qu'il s'arrête avec un QR à 0,9, je sais qu'il y a un problème autre que cardiaque. Et deuxièmement, ça vous permet une évaluation également quantitative, on va le voir, pour voir ce qui est lié au cœur, ce qui est lié au poumon et ce qui est lié au déconditionnement. Alors, les internes oublient de plus en plus ce qu'est l'hémodynamique. Je ne sais même plus s'il y a des cours d'hémodynamique. Maintenant, il y a des papiers sur l'hémodynamique invasive. Vous allez voir dans FPEF. La consommation d'oxygène, c'est le produit du débit cardiaque par la différence intraveineuse en oxygène. C'est l'équation de Fick. Donc, ce qu'on appelle la VO2 max ou le pic de VO2, c'est le débit cardiaque maximal et la DAV maximale au cours de l'effort. On aimerait bien mesurer le débit cardiaque maximal. On ne sait pas le faire. Même en écho, on est sous-maximal. Donc, la VO2 max n'est pas le débit cardiaque maximal, mais c'est un reflet quand même, parce que la DAVO2 maximale, en l'absence d'anémie, elle est à peu près toujours de 13, 14, 15 chez les sujets. Un deuxième paramètre que vous verrez, c'est ce qu'on appelle le pouls d'oxygène. Le pouls d'oxygène, c'est un reflet du volume systolique entérograde. Le pouls d'oxygène, c'est la VO2 divisée par la fréquence cardiaque, et si vous reprenez l'équation en haut, ça veut dire c'est volume systolique que multiplie DAV. Et donc, le pouls d'oxygène augmente au long de l'effort, et lorsque il y a une baisse du volume éjecté en entérograde, eh bien, vous avez un plafonnement ou une baisse du pouls d'oxygène. Ceci, on le voit dans les IM organiques, les IM fonctionnels. On peut les revoir dans les réouvertures de shunt. Et c'est dans les insuffisances cardiaques diastoliques ou un trouble de remplissage. Lorsqu'on a un pouls d'oxygène qui plafonne ou qui baisse, vous avez une évaluation hémodynamique. Je reviendrai sur un troisième critère qui est très à la mode, qui est la pente VE sur VCO2, c'est ce qu'on appelle l'efficience respiratoire, qui est, semble-t-il, mais ça reste à confirmer, assez fortement corrélée à la pression artérielle pulmonaire. Et quand vous avez une pente VE sur VCO2 très élevée,
c'est souvent que vous avez une HTAP d'effort et on le voit dans les dysfonctions diastoliques et dans les greffés qui vont mal également. Alors, quels sont les intérêts? Ben, l'intérêt de la technique, c'est pour toutes les insuffisances cardiaques, systoliques, diastoliques, les IM organiques, fonctionnelles, les CMH, les RAC asymptomatiques, et on pourrait rajouter également les valvulopathies et les dyspnées expliquées. Ça, c'est un cathé de 85, j'étais en deuxième année clinica, c'était un cathé droit avec le débit en rouge et la DAV en bleu, et en blanc, c'est l'évolution de la VO2 et de la VCO2. C'est pour vous montrer comme la VO2 suit exactement les variations du débit cardiaque. Ici, le débit est passé de 3,2 à 8,5 et de la DAV qui est partie de 8 au repos, s'était élargie jusqu'à 16 et on peut difficilement aller au-delà. Donc, vous voyez vraiment la valeur hémodynamique de la VO2. Je crois que c'est quelque chose qui, moi, me fascine et qu'on devrait apprendre de plus en plus. Donc, deuxième élément très important, c'est la valeur pronostique. La tolérance à l'effort maximal reste un critère pronostique majeur. Attendez, je vérifie un truc. Voilà, un pronostic majeur, et ça, les gens l'oublient. On s'affole sur une FEVG à 10%, sur un strain, sur des lésions coronaires trétranculaires. Dans beaucoup, beaucoup d'études, la tolérance maximale à l'effort, la VO2 max, est plus forte que la FEVG, le strain, le nombre de lésions tronculaires, etc., etc. Et ça, les gens ne le savent pas assez. Quand vous avez un pic de VO2 à 30 pour une insuffisance cardiaque, quels que soient les autres paramètres, vous avez un bon pronostic en général. Et donc, le pic de VO2, on l'évalue en millilitres par minute ou en millilitres par minute par kilogramme ou en pourcentage des valeurs théoriques. La valeur normale, c'est de 30 à 40 millilitres par minute, mais c'est fonction de l'entraînement, du poids, etc. Il y a des limites, effectivement, qu'il faut connaître. Quand on est obèse, quand on est une femme, quand on est une femme très maigre, et ben les valeurs théoriques sont un petit peu, c'est un petit peu foireux. Alors, on a retenu depuis des années ces chiffres, ces golden chiffres, qui sont que plusieurs études ont montré que lorsque vous avez un pic de VO2 inférieur à 14 millilitres par minute par kilogramme chez un patient qui n'a pas de bêta-bloquant, et en cas de FREF, c'est généralement une indication à la greffe, et lorsque vous avez un traitement bêta-bloquant, c'est lorsque votre pic de VO2 est inférieur à 11 que c'est une indication à la greffe, c'est dans les recours internationaux. Et moi, j'avais beaucoup aimé cet éditorial de Circulation en 2003 qui disait la tolérance à l'effort, la variable pronostique qui n'est pas suffisamment respectée parce qu'en dehors des gens qui en font, les gens s'en fichent complètement et vont vous dilater ou vous opérer ou vous mettre un LVAD à quelqu'un qui peut avoir 20 ou 25 de VO2, c'est pas correct. Alors, je reviens donc sur ces deux autres critères et puis j'arrêterai là sur les détails. Ce qu'on appelle la pente VO sur VCO2, c'est l'efficience respiratoire. La pente est normalement inférieure à 35. Ça veut dire que lorsque je rejette un litre de CO2, je dois ventiler 30 à 32, 33 litres pour le rejeter. Quand je rejette 2 litres de CO2, il me faut 2 fois 30, 35, voilà. Et c'est relié à la PAP et lorsque c'est supérieur à 45, c'est de mauvais pronostic et ça semble être relié aux pressions pulmonaires et aux résistances pulmonaires. L'intérêt de ce critère-là, c'est qu'on peut le déterminer même si le test est sous-maximal, alors que pour avoir un pic de VO2 valide, il faut avoir un test vraiment maximal. Alors, dans certaines études, c'est plus performant sur le plan pronostique que le pic de VO2, dans d'autres, ce n'est pas le cas. Disons qu'on a deux critères très puissants. Enfin, il y a un dernier critère qu'on avait évalué, c'est la puissance circulatoire. La puissance circulatoire, c'est la VO2 que multiplie la pression artérielle. Ça correspond en fait au cardiac power que multiplie la pression artérielle. Et dans plein d'études, le stroke work maximal et la puissance cardiaque étaient des critères pronostiques plus forts encore que les VO2. Nous, on s'est intéressé à cette puissance circulatoire et j'y reviendrai peut-être après. Dans plusieurs études, c'est un critère très puissant. Moi, je retiens que lorsqu'on est à moins de 2000, c'est une insuffisance cardiaque sévère et lorsqu'on est à moins de 1000, c'est une greffe. Alors, ça veut dire quoi, par exemple? Si vous avez un pic de VO2 à 10 et une pression artérielle maximale à 10, ça vous fait 1000 de puissance circulatoire, vous voyez que vous êtes très sévère. Si vous êtes à 12 de VO2 et 12 de pression artérielle, vous êtes à 1440, c'est sévère. Voilà, donc c'est un élément intéressant. Et enfin, un autre critère qui est très à la mode aussi, c'est ce qu'on appelle les oscillations respiratoires. Vous voyez des grandes oscillations comme ça au repos et pendant l'effort. C'est un petit peu un équivalent de chaîne Stokes-Dürne et c'est toujours associé à un très mauvais pronostic. Alors, quelles sont les autres indications en plus du diagnostic et du pronostic? Eh bien, c'est définir le niveau de réadaptation parce que classiquement, on le fait sur l'échelle de Borg ou sur l'échelle de Kargonen sur la fréquence cardiaque chez des patients qui ont parfois de l'ACFA, des bêta-bloquants.
Là, vous faites un test d'effort, vous déterminez ce qu'on appelle les seuils ventilatoires et vous déterminez le niveau de réadaptation en fonction des seuils ventilatoires. Et là, vous êtes sûr que votre patient va pouvoir faire un test valide. Là, c'était par exemple un exemple, un monsieur de 55 ans, sportif, qui a une dysfonction VDVG sévère avec 80 mm DTD, FEVG à 20%. Il était en classe 3-4 de l'anigrécacha. On voulait le mettre en une greffe, mais il a un pic de VO2 qui était à 17. Donc les gens ont dit on ne le greffe pas. Mais vous voyez qu'il a, d'accord, il a 17, mais il a des oscillations respiratoires majeures. Il n'atteint que 40% de la théorique de VO2. Il a une pression artérielle qui ne bouge pas de 90 à 100 mm de mercure et une puissance circulatoire qui est effectivement effondrée. Il a une pente VE sur VCO2. Vous voyez, ça devrait être ici la ligne discontinue qui est au double de la normale à 52. En fait, ce patient n'avait qu'un truc qui était bon, c'était la VO2 indexée au poids. Tous les autres critères étaient mauvais. Et c'est comme c'est la frustration qu'on a, nous, les gens qui ont des épreuves d'effort. C'est comme vous, nous, les échographistes, quand on fait une écho, on sort le strain, le suroprime, le TAPS, et les gens, ils ratent qu'une chose, la fraction d'éjection. Voilà. Ça, c'était pour montrer que la pente VO2 sur watt, eh bien, quand on a une insuffisance cardiaque, vous voyez, en rouge ou en vert, elle est basse. Et donc, si vous estimez la VO2 en fonction des tables qui vous donnent en fonction des watts, eh bien, vous allez surestimer la VO2 d'un patient. Il faut vraiment la mesurer. Ça, je vais passer. C'était le travail de Mancini. Ça, c'était un travail qu'on avait fait il y a très longtemps. On avait pris, je crois, 200 patients et on avait vu la survie en fonction des 4 quartiles du pic de VO2. Et vous voyez qu'il y a une très belle séparation pronostique selon les quartiles de VO2. Là, c'est un autre travail qui avait été fait dans le Michigan sur, je crois, je ne sais plus combien, de 5 000 patients qui avaient fait des VO2 dans l'insuffisance cardiaque. Et vous voyez que ce qui sort en premier en valeur pronostique, c'était le pic de VO2 en pourcentage des valeurs théoriques, la pente VE sur VCO2, vous voyez, et le puissance circulatoire apparaît ici. Ça, je suis très content. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous qui travaillez dans l'insuffisance cardiaque avancée, c'est Donna Mancini qui a fait une énorme étude sur, je sais plus, plus de 275 patients qui étaient en Intermax profil 4-7, 4 à 7, et ils ont vu tous les critères pronostiques chez ces patients, donc des malades sévères, vous voyez, en attente de greffe, et vous voyez que ce qui sort le plus, c'est la pente VE sur VCO2 et la puissance circulatoire. Juste après, il y a le pic de VO2, vous voyez, donc c'est pas mal de critères intéressants. Enfin, l'épreuve des forêts de respiratoire permet chez un patient qui est essoufflé d'essayer de savoir ce qui revient au cœur et ce qui revient au poumon sur différents critères. Alors, ça marche lorsqu'on a une pathologie respiratoire pure ou cardiaque pure. Dès que vous avez un petit peu les deux en même temps, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'était un exemple qui vous montre le pouls d'oxygène ici en bleu qui normalement monte avec un aspect curvilinéaire ici chez un sujet sain. Alors que vous voyez qu'ici, ça augmente, ça plafonne, voire même ça baisse en fin d'effort. Ça, un pouls d'oxygène qui baisse, ça veut dire que le volume systolique entérograde diminue. C'est probablement une IAN ischémique. Ça, c'est pareil. C'était un pouls d'oxygène ici, vous voyez, qui était en plateau et puis qui monte et qui est en plateau. Là, c'était un patient qui avait développé une fuite mitrale aiguë. Et je terminerai, il me reste combien de temps? 1 minute, par un de mes cas cliniques préférés. C'est un monsieur qui a 43 ans, qui travaille dans la confection, qui a une dysfonction VDVG et qui est adressé pour discussion de greffe. Il a un bloc de branche gauche très large que vous allez voir, mais il est en classe 1 de l'anicracacha. Il dit, je fais 10 km de marche avec mon chien tous les jours. Je ne vois pas pourquoi mon cardiologue veut me greffer. Il a une FEVG à 20% et voici son cœur. Vous voyez, son cœur est un vrai ballon de football, complètement arrondi. Il y a un contraste spontané ici, voilà, ici. Et là, vous avez une coupe TM avec les diamètres en diastole et en systole. Comme vous n'avez pas de bons yeux, je fais un zoom ici. Et je ne sais pas si vous avez souvent rendu des comptes rendus à 3 chiffres de diamètre télédiastolique. Ce malade, il a 100 mm de diamètre télédiastolique. 100 mm de diamètre télédiastolique. Voici, il n'est pas en TV, ça c'est son bloc de branche gauche au troisième palier de l'épreuve d'effort. Voilà. Eh bien, ce monsieur, on l'avait fait au haltère, il avait plein de TV, FEVG à 18%, et on l'a fait un test d'effort, et le pic de VO2 était à 23 millilitres par minute par kilogramme ici, vous voyez, tout près de la théorique. Voilà. Donc, il avait pratiquement une tolérance à l'effort normal. Par contre, vous voyez que le pouls d'oxygène plafonne, ce qui veut dire que le volume systolique baisse. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, j'ai décidé de ne pas le greffer, c'était en 85, et ce patient, il est resté 20 ans avant d'avoir
je sais pas si ça apparaît là, un défibrillateur, parce qu'à ce moment-là, en 85, il n'y avait pas d'indication pour le DEF, et d'avoir une resynchro. Bien entendu, aujourd'hui, ça fait frissonner, ce n'est pas comme ça qu'on me traiterait, mais c'est pour vous montrer la puissance pronostique du pic de VO2, avec tout ce que vous avez vu sur le Holter, sur l'écho, etc. Ce type avait 90% de la théorie de VO2 max, et bien il était vivant. Donc je terminerai avec, voilà donc les indications, toutes les insuffisances cardiaques, avant j'aurais dit FREF, maintenant je dis toutes, toutes les valvulaires sauf les RAC symptomatiques, les cardiopathies congénitales, les stimulés qui vont mal, les dyspnées inexpliquées, le transplanté, l'assistance circulatoire, les CMH et le sportif. On a fait un petit bouquin avec François Carré qui vaut 40 € sur Amazon si vous le souhaitez, et je suis disposé à répondre à vos questions. Pas facile de faire en 15 minutes. Hein. On a 15 minutes pour discuter. Bah, pas facile, mais très bien fait en 15 minutes. Merci beaucoup pour tous ces mots-clés et puis ces grands sujets. Parce que c'est vrai que dans notre formation, alors par exemple sur Toulouse, on y revient petit à petit. Et je pense que mes internes actuels sont probablement mieux formés que ce que je n'ai été ou de ce que j'ai pris comme temps pour me former. Alors même que c'est clairement un élément hyper important. Sur le dernier patient, je pense en effet qu'il y a un certain nombre de personnes et d'équipes qui se seraient plus excitées et a posteriori probablement à tort, justement parce qu'on se serait basé sur ce diamètre, sur ces petits TV, etc. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on commence de plus en plus à utiliser en pratique, au-delà du pic de VO2, cette pente VE sur VCO2. On regarde aussi évidemment la fréquence cardiaque max et la tension. Pour ma part, je ne sais pas ce que font les autres, mais la partie puissance, j'utilisais pas et a priori à tort. Je ne sais pas ce que vous faites, par exemple à Bordeaux, François. Si, ça fait partie des paramètres qu'on regarde, avec la limite que dès que l'exercice est sous maximal, elle perd un peu en valeur pronostique. Oui. Et Clément et François, je vais être parfaitement honnête. Je continue à penser en premier en pic de VO2, en second en pente et en puissance circulatoire. Voilà. Même si on a montré que c'est ce qui sortait le mieux, on reste conditionné quand même par le pic de VO2. Et Guillaume, à Lyon, vous faites ça aussi? Vous faites comment? Bah, écoute, on en fait pas mal, je pense. C'est sûr qu'on a une stratégie qui est très orientée sur la VO2. La plupart des patients inscrits avant assistance, etc., ils passent tous par la case cathétérisme cardiaque droit et VO2. Donc on l'utilise beaucoup, on y croit beaucoup. Et effectivement, je pense que l'évaluation à l'effort permet aussi d'évaluer un petit peu la réserve des patients, qui est un élément extrêmement important. Par contre, là, je ne sais pas dans l'assemblée qui est à l'aise avec la VO2, enfin avec l'épreuve d'effort, qui se sent à l'aise avec les paramètres. Alors, je vais te dire tout de suite, la solution, c'est qu'il faut en faire beaucoup. C'est vrai que quand vous en faites deux par semaine, vous n'avez pas l'habitude, ça ne marche pas, on s'énerve et tout. Quand on a l'habitude de le faire pratiquement systématiquement pour les insuffisances cardiaques, etc., etc., ça rentre, ça vous apporte. Les internes sont très, très contents, ils redécouvrent la physiologie. Quand ils passent dans le service, ils voient la VO2, la réadaptation, ils vont tout de suite s'inscrire dans les DU de cardio du sport et de réadaptation. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut en faire régulièrement. Quand vous en faites que de temps en temps, eh bien, vous n'êtes pas à l'aise. Effectivement, on a l'impression qu'il y a une difficulté d'accès, qu'effectivement, il en faudrait encore plus et que ça se développe de façon encore plus importante peut-être quand on voit les bénéfices avec un nombre d'indications qui augmente. Donc, il y a Laurent qui veut parler. Regarde par exemple, ça c'est un truc, tu vois, oui. Tu vois, c'était un patient qui avait un Jarvik, je crois. Et tu vois, on s'est aperçu en faisant une VO2 que le Jarvik, je crois que la pompe, elle s'ouvre toutes les 50 secondes ou je ne sais plus quoi. Et il y avait des extraordinaires variations de barre au réflexe, de VO2, de fréquence cardiaque. Tu vois, ça, c'est à chaque fois dans le Jarvik, le clapet qui s'ouvre et qui se fait envoyer. Et ça se traduit. C'est vraiment, on suit le débit cardiaque. On suit le débit cardiaque. Et je me rappelle une fois, avec le Jarvik, qui nous avait dit que le débit cardiaque maximal ne pouvait pas dépasser, je crois, 7 litres. Nous, on avait des patients qui atteignaient, je crois, 14 ou 15 avec un Jarvik. On a dit, écoutez, y a pas, à moins qu'il ait des DAV à 22 ou 23, il fait plus que. Et effectivement, il s'était aperçu que le Jarvik pouvait développer, lorsqu'il n'était pas tout seul, plus que ce que disait la machine. C'est-à-dire, quand vous avez une VO2 à 20, ça vous fait plus que 5 litres de débit cardiaque maximal. C'est pas possible. C'est parce qu'il avait gardé un débit entérograde. Voilà, absolument. Et on l'avait négligé, celui-là.
J'avais juste une question technique, Alain, parce que tu as parlé de cette VE sur VCO2 et d'un chiffre pronostic limite à 45. Et moi, j'avais en mémoire un autre chiffre, celui de 41. Est-ce qu'il y a différentes valeurs qui peuvent être retenues? Je vais t'expliquer très vite. Voilà, je vais te prendre la figure ici. Voilà. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en général, la pente VE sur VCO2 est linéaire, sauf à la fin où elle remonte. À la fin, elle remonte, tu vois. Les physiologistes, ils mesurent jusqu'à la cassure. Et à ce moment-là, la valeur normale, c'est 20 à 35 à peu près, d'accord? Nous, avec Jean-Yves Tabé, on avait mesuré du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on avait englobé la partie finale, d'accord? Sur le plan physiologique, c'est moins logique. Mais nous, et on a été suivis par, je crois maintenant, 12 publications, on a trouvé qu'en termes de pronostic, c'était meilleur quand on prenait toute la courbe. Mais à cause de ça, la valeur normale est plus élevée que ce qui est rapporté. Donc, c'est pour ça que je t'ai mis 45, parce que j'ai plein de sujets en bonne santé un petit peu âgés qui ont un 39, 40, 41. Ça ne m'excite pas nécessairement parce que je prends toute la courbe, tu vois. D'accord, mais plus que 45, ce n'est pas fréquent quand même. Ce n'est pas souvent qu'on a plus que 45. Si tu prends du début à la fin, ça peut. Enfin, nous, on en a dans les FPF, les greffés qui vont mal. Dès qu'on a une augmentation très importante des pressions pulmonaires, et moi, je raconte souvent que une fois, il y a 15 ans, il y avait un malade qui avait un greffé qui avait 70 de pente VE sur VCO2 qu'on ne pouvait plus. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai appelé le lendemain à Bichat, on m'a dit il est mort cette nuit. Et c'était un rejet sur aigu. Et maintenant, lorsque j'ai des pentes très très élevées, j'appelle l'équipe de Bichat pour leur dire regardez bien qu'il n'y a pas un rejet quand même. C'est un sujet qui n'a pas été abordé, Alain, dans votre présentation, mais le premier seuil ventilatoire, on trouve un peu de tout dans les publications. Est-ce que ce SV1, on l'estime par rapport à la VO2, au pic de VO2 théorique du patient ou au pic mesuré pour estimer le déconditionnement périphérique? C'est une question. En principe, il faut donner par rapport aux deux. Hein. En principe, on la donne par rapport aux valeurs théoriques. Voilà. C'est comme ça, ça peut se discuter une valeur théorique. Donc, retenez que vous et moi, on a un premier seuil ventilatoire qui survient à entre 40 et 60 de la VO2 max théorique. Et que lorsque vous êtes inférieur à ces valeurs-là, c'est que vous êtes déconditionné, comme un insuffisant cardiaque, comme un sujet alité, etc., etc. Mais ça, c'est une discussion qu'on a depuis 10 ans. Est-ce que c'est en fonction de la VO2 max théorique ou de la VO2 atteinte? Nous, on donne les deux résultats, mais en théorie, scientifiquement, c'est en fonction du pic de VO2 théorique. Et merci beaucoup pour ces échanges intéressants sur un topic, j'espère, de nouveau d'avenir et que ceux qui vont nous suivre, en tout cas à Guillaume et moi, seront meilleurs que nous sur cette évaluation à l'effort. Et puis, on va continuer avec François Picard de Bordeaux sur les indices dans l'insuffisance cardiaque avancée. Merci beaucoup, professeur Pinsolal, pour votre participation à ce topo. Il faut que je fasse ma présentation, mais il peut prendre la main. Non, c'est bon, je vais pouvoir la lui donner. Normalement, François, c'est bon, voilà, super.